Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitar Vlog consacré ce soir à mes 10 albums préférés. Enfin, du moins, j'ai pas forcément mis mes albums préférés parce que, bon, déjà d'en choisir 10, c'est dur. J'ai mis mes albums préférés et certains qui ont une signification particulière pour moi. Voilà, donc je vais vous parler de ça. Je ferai deux vidéos ce soir avec quelques exercices après celle-ci parce que, bon, hier, j'ai pas pu filmer, hein, encore une fois. Vous savez que je me suis bien reposé, là, donc, voilà, aujourd'hui, j'ai repris ma pratique et mon travail, donc ça, c'est cool. Donc, en fait, en premier, je dirais, donc, ce sont les The Art of the Trio de Brad Meldo, donc Trio, d'accord. Donc je n'ai pas, j'affectionne, il y a 5, en fait il y en a 5 ou 6, moi j'affectionne particulièrement les 4 premiers, donc dans les 4 premiers, il y a 2 albums studio, le 1 et le 3, et 2 live au Village Vanguard, le 2 et le 4. Alors Brad Meldo est mon musicien préféré de loin, toute catégorie, tout instrument confondu. Voilà, parce que j'aime le fait que, en fait, ce soit une personne qui a réussi à faire une synthèse intelligente et avec du goût du jazz, du classique et de la pop, voire du rock même, voilà, hein, quand il reprend des grandes mélodies, qu'il les développe, tout ça, il reprend même, pour vous dire, des genres Black Olson de Soundgarden ou Oasis ou de Nirvana ou de Jimi Hendrix, etc. Enfin, entre autres, hein, je vous dis ça parce que vous êtes un public de souvent de personnes qui ont écouté, qui ont cette culture rock, tout ça. Donc Brad, c'est vraiment le gars qui fait résonner d'une façon universelle, je dirais. Il y a une intelligence musicale et une beauté, un goût qui va au-delà de tout pour moi. Sans parler de la technique, de la connaissance, du développement, de la créativité. Bon, c'est vraiment, c'est mon musicien préféré de loin. Je pense que jusqu'à ma mort, ce sera comme ça. En deuxième, j'ai mis Blue Train de John Coltrane, donc qui est mon album, un de mes albums jazz, on va dire jazz à l'ancienne préféré. Donc j'aime tout dans cet album. Bon, déjà les chorus sont énormissimes. Les solistes, donc il y a John Coltrane, on a Lee Morgan à la trompette qui fait des chorus absolument géniaux avec un son absolument sublime. Curtis Fuller au trombone. La rythmique, c'est Paul Chambers, c'est... c'est Philly Joe, je me souviens plus exactement du personnel, à force je les oublie. Et je crois que c'est Kenny Drew Jr. au piano. Donc les compos qui tuent, la rythmique qui tue, les solistes qui tuent, les solos qui tuent, la balade à la fin, c'est une tuerie. Le morceau Blue Train, c'est un blues lent qui tue. Enfin bon, bref, il y a une compo Moments Notice qui est un standard un peu école aujourd'hui qui sert parce qu'il y a beaucoup de modulation, qui est intéressant à travailler. J'ai relevé dans cet album, j'ai relevé pas mal de chorus. Donc je vous en ferai part dans l'avenir de la chaîne. Il y aura sûrement en parallèle... enfin bon, bref, pour l'instant je vous dis rien, mais en tout cas il y aura les transcriptions de chorus, parce que déjà c'est difficile à jouer à la guitare, donc ça peut faire une des vidéos intéressantes, et en plus je ferai la transcription et l'explication dans certaines vidéos. En troisième, je mettrai l'album d'Alan Holdsworth qui m'a fait connaître Alan Holdsworth, donc Hard Hat Area, donc je sais pas trop, Hard Hat Area. Pour ceux qui vont vouloir truquer sur l'anglais. Donc c'est le premier album d'Alan Holdsworth que j'ai acheté. D'ailleurs j'ai été, selon le mec qui travaillait à la Fnac de Toulon, le seul album qu'il ait jamais vendu d'Alan Holdsworth. C'est mes parents, hein, qui me sortent ça comme excuse bidon, puisqu'ils ont voulu m'acheter un album, et le gars, il leur a dit qu'il y avait qu'un seul gars il avait vendu qu'un seul album dans sa vie d'Alan Holdsworth, et en gros, c'était moi qui l'avais acheté quand j'avais 16 ans. Et quand je me suis pointé, je m'en souviens, on était chez un pote, je me suis pointé avec cet album tout content, tu sais, genre, ah ouais, tu vas voir, ça va être, on va se gargariser de grosses de guitare, et en fait... Mes potes, ils m'ont regardé, il y a le premier morceau, le deuxième, ils m'ont regardé, mais ils m'ont dit, c'est quoi cette musique? Ils n'ont même pas capté qu'il y avait de la guitare dedans, donc cet album est merveilleux. Donc il y a le morceau Rukuka en deuxième qui tue, il y a la balade
Low Level High Stakes, il y a le morceau Hard Attire Rhea qui tue pas mal aussi. J'avais fait des relevés de certains plans à l'époque. Il y a House of Mirror qui tue, il y a vraiment enfin bon, il y a un 5-4, c'est un 5-4, non, c'est une valse. Le cinquième morceau, c'est une valse, mais je me souviens plus le nom. Donc bon, le dernier morceau, Postlude, c'est un morceau où il joue avec le guitare synthé, avec un son sax midi un peu, mais ouais, ça tue quand même. Voilà. Le quatrième album, c'est plus vraiment un de mes albums préférés, mais en fait, il faut dire que pendant un an, en fait, je l'ai relevé en entier, en fait, voilà. C'est pour ça que je le mets, c'est Split Life de Gilad Exelman, donc le guitariste israélien qui vit à New York, etc., etc. Donc voilà, en fait, c'est plus un album que j'écoute aujourd'hui parce que en fait, je l'ai tellement. Je m'étais mis le challenge il y a. Ma femme était enceinte de ma fille, donc ma fille a 5 ans. L'année en fait où elle était enceinte, je me suis dit de relever cet album dans l'année, puis je l'ai relevé en entier, et puis maintenant, du coup, je l'écoute beaucoup moins, voilà, parce que bon, je l'ai tellement joué, enfin voilà, ça m'a pris un an, quoi, de le relever, enfin, en faisant autre chose, mais bon, je l'ai relevé, quoi, intégralement. Donc il m'a beaucoup apporté sur beaucoup beaucoup de sujets. Après il y a Milestones de Miles Davis, donc pareil, hein, rythmique qui tue, compo qui tue. Là on a bon Miles à la trompette qui tue, Cannonball au sax alto qui tue, Coltrane au sax ténor qui tue. Des compos bien avec blues, un peu de modal avec le Milestones New, puisqu'il y a un autre morceau qui s'appelle Milestones Old, donc où la grille, pareil, elle est assez chiadée, avec beaucoup beaucoup de modulations, avec des trucs par demi-ton, etc. On a un blues hyper fast, Dr. Jekyll, qui est vachement intéressant d'ailleurs. On a Two Bass Hit, donc c'est un morceau assez lent. Enfin bon, bref, l'album est vraiment vraiment bien. Et pareil, j'avais relevé quand même pas mal de trucs. Donc, si vous voulez, c'est plus des albums, quoique je l'ai racheté il y a pas longtemps. Parce que bon, après les albums, en fait, tu les prêtes et tout ça. Donc, je l'ai racheté il y a pas longtemps. Celui-là, je l'ai réécouté pas si longtemps. C'est vraiment. Ouais, c'est une tuerie cet album, hein, quand même. Voilà, donc il y aura des relevés aussi puisque je les ai écrits, hein, je les avais écrits à l'époque où j'étais vraiment étudiant. Ils sont là. Je les mettrai, je les retravaillerai, je les ferai sur la chaîne. Donc après, on a Steve Vai, Sex and Religion, donc album chanté avec Devin Townsend au chant, qui est. Enfin, moi personnellement, après, peut-être que je vais en choquer certains, mais moi, c'est mon album préféré de Devin Townsend au chant, parce que vraiment, il y a un chant qui tue. Le son tue, il y a Terry Bozzio à la batterie, qui d'ailleurs a fait l'album entier en une seule prise, et ça c'est à savoir. Donc pour ceux que ça intéresse, Terry Bozzio est une des personnes qui a vraiment révolutionné la batterie, qui jouait chez Zappa. D'ailleurs c'est là qu'ils se sont rencontrés, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Steve Vai a été engagé chez Zappa très jeune, avant de faire les groupes comme Whitesnake et compagnie, là. Donc. Je crois qu'il avait 18 ans quand il a été engagé, hein. Voilà, parce qu'il a envoyé à Zagpa une cassette où il jouait la Black Page en fait à la guitare. Donc voilà, vraiment super album, des compos qui tuent, le chant qui tue, les solos qui tuent, TM Stevens à la basse pour les aficionados. Je sais que les mecs de ma génération ont écouté TM Stevens aussi, qui avait sorti deux albums solo qui étaient vraiment terribles. Voilà, donc un de mes albums préférés aussi que j'ai écouté des centaines de. C'est un peu notre album avec ma femme, ça, tu vois. Parce qu'à l'époque où on s'est mis ensemble, c'est ça qu'on écoutait. Voilà. Après, puisque ça fait très longtemps que je suis avec ma femme. Après, j'ai Pat Metheny, Question and Answer. Alors là, c'est une tuerie, cet album. Je suis pas un grand, grand fan de Pat Metheny, mais. Ça, c'est les goûts, c'est pas. Je suis fan, on va dire fanat du musicien, du compositeur, du guitariste, etc. Mais c'est pas, ça va pas dans mes goûts préférés, comme je suis beaucoup moins touché, par exemple, que Alan Holdsworth ou Sylvain Luc. Sylvain Luc, il n'y a pas d'album dans mes. Puisque, bon, les albums de Sylvain Luc. Sylvain Luc, c'est beaucoup de la musique organique, quoi. Il faut que ce soit vu en live, il y a quelque chose. Qu'il n'y a pas, enfin, en tout cas, je retrouve pas ce que j'aime chez Sylvain Luc forcément sur les albums réellement. Voilà, bien que je sois un très très grand fan de Sylvain Luc, vous le savez bien.
Mais là, vraiment, cet album en trio, la version de Solar, la version de All the Things You Are, les compos qu'il y a, c'est une tuerie. Roy Hens à la drum et Miroslav, non, Dave Holland à la contrebasse. Cet album, Question and Answer, c'est une tuerie, quoi. D'ailleurs, j'avais relevé Solar en entier. Puis on avait joué avec mon groupe à l'époque, on jouait des morceaux de cet album, Question and Answer. Il y a notre compo aussi où c'est un blues en si, après enfin, un blues. C'est un si en 12 mesures, voilà, qui tourne. C'est un si, ce que certains vont appeler modal, c'est plutôt atonal, hein, voilà, sur une base de si. Je vous dirai, je sais plus, moi je le ferai un jour dans la. Voilà, après il y a un album Guns N' Roses Appetite for Destruction, parce que cet album là si vous voulez alors pour la petite histoire, j'écoutais pas du tout Guns N' Roses à l'époque, et au collège il y avait un gars dans ma classe qui avait le t-shirt Appetite for Destruction. Moi j'écoutais ouais, Led Zepp, les trucs comme ça, et j'étais intrigué par le t-shirt. Et un jour on est allé faire les courses avec ma mère, et il y avait le CD à printemps, et j'ai vu le CD, j'ai ça. Là, en fait, si vous voulez, l'image m'intriguait tellement, là, cette image-là, que j'ai demandé à ma mère de m'acheter le. Parce que j'ai toujours aimé les têtes de mort, même quand j'étais petit. Si vous voulez, l'art, entre guillemets, Skull, vous voyez, Skull and Bones, quoi. Avec tout ce que ça peut. Voilà, les sujets de parano, vous connaissez aussi bien que moi, hein, ceux qui suivent cette chaîne, je suis sûr que vous êtes le genre de gars qui aime bien ce genre de truc. J'ai toujours aimé depuis tout petit les têtes de mort et tous ces trucs, les drapeaux de pirates. Et donc, c'est la pochette qui m'a fait acheter l'album. J'ai demandé à ma mère de m'acheter l'album. Elle n'était pas trop d'accord. Elle me dit, attends, il y a des têtes de mort, c'est quoi ce truc avec une croix, machin. Et là, je rentre, je mets le CD dans la platine CD. Et le moment où j'ai entendu Welcome to the Jungle, je m'en souviens encore. C'est un moment auquel je repense beaucoup parce que j'ai fait. Wouah! Enfin, ça m'a. J'ai pris une claquade, quoi. Je m'en souviens, je devais avoir quoi? Ouais, 12 ans. J'ai pris une claquade. 12 ou 13 ans, j'ai pris une claquade. Voilà, je m'en souviens encore de ce moment. Et puis, ça a été un album que j'ai écouté et suréécouté, que je réécoute toujours. Et il y a vraiment. C'est pas un album, je me lasse pas, même avec. En écoutant des trucs beaucoup plus, on va dire. Riche, pas pointu, parce que c'est pas parce que c'est un album de rock, il est pas, comment dirais-je, pointu, et au contraire il est très pointu. C'est très très bien écrit, les voix c'est très bien fait, c'est très bien mixé, le jeu des deux guitaristes, le fait qu'ils se complètent, qu'il y en ait un qui fasse des power chords, l'autre il fait les accords avec les cordes à vide, qui joue en fait la même chose sans jouer la même chose, ça apporte une patate, comme les deux frères Young de AC/DC. Ça donne une patate qui tue vraiment au morceau, et voilà, et les solos qui tuent. D'ailleurs, j'ai lu des anecdotes au sujet de ça. C'est que Slash, il a vraiment, vraiment, vraiment bossé beaucoup en studio sur les albums. C'était vraiment apparaît-il, c'est le gars qui prenait le plus de temps pour faire des très bons solos, etc. Qui était vraiment une bête de travail. Voilà, super album, quoi. Après, c'est Extreme. Porno Graffiti, donc c'est un album que j'ai écouté, surécouté, je jouais dans un groupe à une époque. D'ailleurs, si vous regardez, les gars, ça m'étonnerait que vous regardiez, mais je vous ai en contact toujours, hein, mais c'est des gens, les gens avec qui je jouais dans ce groupe, c'est des gens que avec qui enfin, je discute toujours, etc. Et on jouait pratiquement tous les morceaux de cet album, donc je le connaissais vraiment par cœur aussi, quoi. Tous les morceaux rock, More Than Words, je la fais toujours en concert. Là, à chaque fois qu'on joue en duo, on le fait. Voilà. Et après, The Song Remains the Same, parce que quand j'étais petit, c'est le double live de Led Zepp enregistré au Carnegie Hall. C'est vraiment quelque chose que j'ai écouté beaucoup, 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 beaucoup. Déjà, parce que mon père, il avait tous les vinyles. Donc moi je faisais les cassettes des vinyles, et en fait j'ai écouté ça énormément, énormément, quoi. Voilà, cet album de Led Zepp, entre autres, si vous voulez, celui-là c'est parce que on peut vraiment dire que c'est un live où il se passe quelque chose. Les morceaux n'ont rien à voir avec les versions studio. On prend Dazed and Confused qui dure 25 minutes,
La version de Starway qui dure 15 minutes. Rock and Roll, le morceau The Song Remains the Same, Moby Dick et tout, le solo de batterie et tout. Enfin bon, bref. Les morceaux de cet album n'ont rien à voir avec les morceaux de studio. Ou Lotta Love, il dure je sais plus combien, presque une demi-heure aussi, pareil. D'ailleurs, il y a deux albums. C'est un double CD et il n'y a que 4 titres hein, c'est vraiment, c'est une boucherie, c'est un orgasme musical pendant 2 heures quoi. Là. Voilà donc voilà. Voilà pour mes albums, mes 10 albums préférés. Donc ben, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les vôtres. Faites, ben, tiens, on va faire ça. Vous allez mettre dans les commentaires ceux qui sentent mettre leurs 10 albums préférés. Comme ça, moi, ça me fera connaître des trucs. Il y a une personne qui a mis, je sais plus les, parce qu'il a un pseudo, je sais plus, mais il a mis des albums de Death que je suis allé écouter. Voilà, donc ça, moi, ça m'intéresse aussi d'entendre du nouveau son, puisque c'est vrai que il y a certaines personnes qui m'ont conseillé d'aller écouter Pepe Habichuela, par exemple, un flamenquiste. N'hésitez pas à mettre des suggestions dans les commentaires. Mettez même les liens des vidéos. Donc YouTube met le commentaire en restriction le temps que je l'autorise parce qu'ils ont un truc anti-spam YouTube. Donc mettez dans les commentaires vos 10 albums préférés et puis j'irai écouter. A tout à l'heure les gars. Bye, ciao.